Troisième partie, le sphinx, gardien de l'horizon. Nous allons poursuivre notre histoire de l'école de mystère de l'œil d'Horus, une caste sacerdotale fermée qui a incarné le véritable pouvoir en Égypte. Elle fut organisée par les prêtres qui ont survécu au déluge universel et qui avaient conservé le savoir de l'ancestrale civilisation atlantidéenne. Des êtres très évolués qui ont vu dans ce cataclysme une chance de bâtir une nouvelle civilisation vouée à l'élévation spirituelle. Ils utilisèrent leurs temples comme des livres vivants pour révéler leurs connaissances sur Dieu et sur le fonctionnement de l'univers afin d'accélérer l'évolution de leur peuple. Ils concentrèrent dans ces temples tout leur savoir et toutes leurs richesses et en firent les vecteurs du développement de la civilisation égyptienne. Ils enseignèrent que l'Esprit éternel se réincarne plusieurs fois en homme sur la terre pour suivre un processus d'amélioration conçu par Dieu. Il s'incarne dans de différents corps, naît dans des familles, des époques et des lieux différents, dans différentes conditions matérielles, économiques et sanitaires. Il se réincarne plusieurs fois sur la Terre, pendant que le système solaire tourne autour du centre de la galaxie, ce qui dure 25 920 ans. Un tour qu'ils ont appelé année cosmique. Pendant ce cycle, la conscience de l'homme est sous l'influence de l'énergie des différentes constellations, qui déterminent les processus nécessaires pour son évolution, comme le soleil détermine les changements de saison. Les Égyptiens croyaient que les étoiles déterminaient le destin d'un homme au moment de sa naissance, comme elles déterminent plus largement de l'humanité entière. Ils concevaient le destin comme un ensemble de difficultés que chaque homme devait connaître dans sa vie afin d'en apprendre quelque chose. Selon eux, on ne pouvait connaître la vérité qu'en comparant des fins opposées dans un univers dual formé de contrastes, de lumière et d'obscurité. En faisant usage de notre libre arbitre dans les situations que nous traversons, nous apprenons des résultats de nos décisions. L'anxiété nous permet de comprendre la sérénité, la peur nous fait comprendre l'harmonie, les conséquences de la haine nous conduisent à comprendre ce qu'est l'amour. Ainsi, vie après vie, un processus d'élévation spirituelle se produit. À chaque nouvelle vie, l'homme renaît plus sage, plus respectueux et tolérant, jusqu'à ce qu'il devienne, à la fin de ce cycle, un surhomme immortel. À ce moment d'illumination, il est capable de se souvenir de toutes les vies qu'il a vécues, de toutes les fautes qu'il a faites, en comprenant que, grâce à elles, il peut maintenant connaître la raison de son existence. Dans la paix et l'harmonie, à un très haut niveau d'énergie vitale, rayonnant d'amour en permanence, il peut accéder à des pouvoirs supérieurs, à une plus haute échelle de réalité pour atteindre un nouveau cycle d'évolution. Le processus d'évolution l'a tiré de son animalité originelle, en le transformant en un grand savant, en un être immortel et respectable qui ne connaît plus aucune limite. Grâce à cette compréhension de la vie, les Égyptiens vécurent dans la paix et l'harmonie durant des milliers d'années et faisant de leur civilisation un modèle. Les prêtres de l'œil d'Horus nous ont laissé ces vérités à l'intérieur de leur temple.
C'est pour cela que nous allons les visiter un par un dans cette série de documentaires. Aujourd'hui, dans notre recherche de la vérité, nous irons au plateau Gizeh, comprendre le message du Sphinx. Un message qui nous parvient à travers le temps, car ce monolithe de pierre est une marque indélébile laissée à notre attention. Le Sphinx révèle des mouvements astronomiques observés pendant des milliers d'années par les Atlantidéens au cours du cycle astronomique précédant l'ère égyptienne. De nos jours, nous croyons que l'Atlantide n'était qu'un mythe. Nous devons nous souvenir que l'histoire de la disparition de l'Atlantide, décrite par Platon, date de l'Égypte ancienne. Ce sont les prêtres du temple de Neth qui ont montré à Solon les ruines ancestrales de l'Atlantide, un mot égyptien dont le sens était rattaché à l'eau. Le terme « atlu » veut dire « eau », ou plus précisément, la limite de la terre qui touche l'eau. « Anti » évoque la division d'un terrain. Le mot composé « Atlanta » se réfère donc à « terrain séparé par de l'eau ». Dans l'histoire racontée par Platon, la capitale de l'Atlantide, Poséidonis, était une belle ville construite en canaux concentriques qui partageaient des bandes de terre. Pour dévoiler les secrets du Sphinx, c'est sa forme symbolique, sa taille gigantesque de pierre monolithique, sa situation géographique et la direction de son regard. Nous reconstituerons les mouvements des étoiles après le déluge universel et nous verrons ce que veulent dire les signes d'érosion provoqués par les pluies sur son corps. Les prêtres qui avaient survécu au cataclysme qui anéantit l'Atlantide ont sculpté une forme symbolique monumentale en fonction de certains calculs astronomiques pour en faire une horloge qui marque les cycles importants du système solaire dans la galaxie. Nous analyserons ces calculs pour comprendre pourquoi le Sphinx est le plus grand et le plus ancien marqueur temporel sur la planète. La première date à y être inscrite fut le Zeptépi. Le temps nouveau, le début de l'heure H de la nouvelle civilisation qui succéda à la destruction de l'Atlantide. Le Zeptépi est le premier pas sur le chemin de la perfection spirituelle pour toute l'humanité. Le Sphinx est la première pierre sur cette route. La deuxième date enregistrée est celle de la dernière catastrophe, qui est survenu il y a 13 000 ans et que l'on nomme déluge universel. On trouve des traces de ce cataclysme sur toute la planète. D'autres parties du globe furent touchées en même temps que l'Égypte. Les prêtres, dans leur sagesse, avaient conservé la mémoire d'autres catastrophes précédentes, dont une était survenue au commencement de la civilisation atlantidéenne, il y a environ 38 000 ans. Ils savaient que ces catastrophes étaient cycliques et qu'elles avaient lieu à chaque changement d'année cosmique. Cette rémanence cyclique les a confortés dans l'idée que les étoiles marquaient la durée de tous les cycles dans les différentes échelles universelles. Ces caractéristiques du Sphinx montrent l'importance à tous les niveaux du grand cycle cosmique. La rotation du système solaire autour du centre de la galaxie détermine la durée des structures physiques qui soutiennent les organisations humaines, puisque tous les 25 920 ans, une catastrophe survient et laisse place à une nouvelle forme de développement, à une nouvelle organisation du monde. «
Les structures qui organisent la vie et le développement de l'homme sont périodiquement détruites. À la fin de chaque cycle cosmique, de grands changements surviennent dans le Soleil et provoquent d'importants désordres météorologiques qui détruisent tout ce qui a été construit sur la Terre. Les prêtres de l'œil d'Horus nous ont appris que cela faisait partie d'un processus conçu par Dieu pour permettre le développement de nouvelles civilisations sur la Terre, pour permettre l'expression de nouvelles manières de voir l'univers. C'est comme si l'humanité, ne formant qu'un seul corps, mourait tous les 25 920 ans pour renaître sous une forme plus parfaite. Le même processus que celui par lequel passe l'homme, mais à une échelle collective, avec un esprit plus grand. Dans la sphère céleste, au-dessus du pôle Nord, se trouvent 6 constellations. Elles sont appelées constellations polaires. Plus bas, près de l'équateur, se trouvent 12 constellations zodiacales. En sachant dans laquelle des 6 constellations polaires et dans laquelle des 12 constellations zodiacales se trouvait la Terre à un moment donné, nous pouvons déterminer exactement quelle date il était à cet instant. Le système solaire tourne autour de la galaxie le long d'une ligne imaginaire appelée l'écliptique. Chaque rotation dure 25 920 ans, un cycle perpétuel que les prêtres égyptiens ont appelé l'année cosmique. Ils ont divisé ce tour de 360 degrés du système solaire dans la sphère céleste en 12 secteurs de 30 degrés. Le Soleil met 2160 ans pour traverser chacun d'entre eux. Ce sont les 12 constellations. Chacune a un nom d'animal. Elles forment le zodiaque, ce qui veut dire le cercle des animaux. Tout au long de cette rotation, la planète reçoit les différentes énergies des 12 constellations ou signes du zodiaque. Ce sont eux qui déterminent le destin de l'homme à chacune de ses réincarnations, les circonstances difficiles par lesquelles il doit passer pour effectuer son apprentissage. En partant du point où se trouve actuellement le système solaire, au degré zéro de l'écliptique, à la fin de l'ère du Poisson et à l'approche de la nouvelle ère du Verseau, nous reculons de 180 degrés. C'est là où le système solaire se trouvait il y a 12 960 ans, à 180 degrés de l'autre côté de l'écliptique, dans la constellation du Lion. Les scientifiques d'aujourd'hui nous disent que cette époque correspond environ à la fin du Pléistocène, quand les glaces ont fondu et que le déluge universel est survenu. Le sphinx est la réunion des deux symboles qui représentent le zodiaque et les constellations polaires dans le ciel, le lion et l'homme, ce qui nous indique une date précise dans le temps. Cet animal hybride représente les deux zones célestes dans lesquelles ces étoiles se trouvent. Le corps du lion représente la constellation du lion. L'homme est le symbole de la constellation polaire, que nous appelons aujourd'hui Hercule, et que les Égyptiens appelaient Toum, l'Adam de la mythologie astronomique. Le mouvement combiné de ces deux niveaux célestes est appelé Pari-Passu. La paire de constellations que la Terre traverse dans son parcours autour de la galaxie, que les scientifiques nomment la précession des équinoxes. Le sphinx marque ainsi le Zeptépi, le nouveau temps. L'étoile polaire est appelée ainsi car elle se situe au-dessus du pôle Nord, directement au-dessus de l'épine dorsale de la planète, de son axe de rotation. C'est une étoile fondamentale, qui a le pouvoir de diriger le ciel,
car vue depuis la Terre, la sphère céleste tourne autour d'elle. L'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil se déplace lentement pendant le cycle cosmique et vise un deuxième cercle, plus haut dans le ciel, formé par 6 étoiles polaires différentes. Les Égyptiens ayant hérité de cette connaissance des étoiles, ils savaient qu'en divisant ce deuxième cercle en segments de 60 degrés, ils constateraient que l'axe de la Terre pointe en direction d'une étoile polaire différente tous les 4320 ans. Ces étoiles polaires forment 6 constellations, qui se trouvent exactement au-dessus du pôle Nord, à chaque angle de 60 degrés sur le parcours que la Terre effectue durant la grande année cosmique. On les appelle les constellations polaires. Dans la constellation de la Petite Ours se trouve l'étoile Polaris, qui est notre étoile polaire actuelle. C'est l'étoile qui guide les marins en mer. Il y a 4320 ans, l'étoile polaire était Alpha Draconis, située dans la constellation de Draco, le dragon. Il y a 8640 ans, le pouvoir céleste résidait dans l'étoile polaire de la constellation d'Hercule, ou de l'homme. Il y a 12960 ans, au moment du déluge universel, l'étoile polaire, dans le cercle supérieur, s'appelait Vega, dans la constellation de la Lyre. Encore 60 degrés en arrière, il y a 17280 ans, l'étoile de Deneb, dans la constellation du Cygne, brillait dans le pôle Nord. Il y a 21600 ans, Alphirk, dans la constellation de Céphée, se trouvait au-dessus du pôle. Et il y a exactement 25920 ans, ce qui correspond à un tour complet de l'année cosmique, l'étoile Polaris, dans la Petite Ours, brillait au-dessus du pôle, comme maintenant. Ces deux groupes de constellations, les 6 du cercle polaire supérieur et les 12 du cercle zodiacal inférieur, influencent l'homme en permanence. Ces deux cercles tournent autour d'un axe polaire virtuel au centre de la galaxie, l'axe de la couronne. Pour les Égyptiens, toutes les sphères célestes reposaient sur ces colonnes polaires, disposées symétriquement, à chaque angle de 60 degrés, sur le cercle vers lequel pointe l'axe de la Terre dans son voyage à travers la galaxie. L'ancienneté et l'exactitude des connaissances égyptiennes sont évidentes. Les prêtres, les gardiens du temps, ont hérité de données astronomiques qui avaient plus de 26 000 ans. Les astronomes modernes ont pu prouver l'existence de ces deux mouvements, qu'ils appellent la précession des équinoxes, car c'est à travers les changements dans l'axe des équinoxes qu'ils ont pu les vérifier. Le Soleil, vu de la Terre durant une année solaire, semble avoir 4 coins, 4 positions qui limitent ses mouvements dans l'horizon. Elles correspondent aux solstices d'été et d'hiver et aux équinoxes d'automne et de printemps. Le solstice d'été, le 21 juin, est le jour le plus long et par conséquent, la nuit la plus courte de l'année. Le solstice d'hiver, le 22 décembre, est le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Les équinoxes d'automne et de printemps sont 4 jours pendant lesquels le jour et la nuit ont la même durée. À Gizeh, le soleil fait face au sphinx au moment des équinoxes et il se lève à 28 degrés de longitude nord-est au solstice d'hiver
et à 28 degrés de longitude sud-est au solstice d'été. Les équinoxes sont non seulement des points d'équilibre entre le jour et la nuit, mais aussi entre les énergies de la lumière et des ténèbres. Ces jours-là, les portes dimensionnelles du temps et de l'espace s'ouvrent. C'est pour cette raison que les jours d'équinoxe ont été traditionnellement importants pour toutes les cultures sur la Terre. Chaque année, la ligne imaginaire qui rejoint les deux équinoxes change légèrement d'inclinaison par rapport au Soleil. Cet axe se déplace d'un degré en 72 ans et de 30 degrés en 2160 ans. Au bout de 25 920 ans, il a effectué une rotation de 360 degrés. Par conséquent, ce que l'on appelle aujourd'hui la précession des équinoxes correspond exactement au cycle défini par les Égyptiens dans le Paripassu, aux deux niveaux de rotation de la Terre durant la grande année cosmique. En reliant le signe du lion avec celui de l'homme dans la constellation d'Hercule, le Sphinx marque le moment qui a immédiatement suivi le déluge universel, un désastre qui arrive périodiquement à la fin de chaque grand cycle cosmique, tous les 25 920 ans. Le Sphinx est la plus grande sculpture sur Terre. Son énorme corps a été taillé dans une seule roche, afin de perdurer à travers les siècles. Ce monolithe géant, d'un seul tenant, fut érigé sur le plateau de Gizeh. Il mesure 80 mètres de long, 13 mètres de large et 20 mètres de hauteur. Il est aussi grand qu'un pâté de maison. Pour former son corps, les Égyptiens ont sculpté d'énormes blocs de pierre qui ont ensuite été utilisés pour construire deux énormes temples en face de lui. Énigmatique et imposant, c'est le plus beau monument qui nous reste du passé. Il a vu à ses pieds naître, changer et disparaître plusieurs cultures. Sa localisation géographique sur le plateau Gizeh, aussi appelé Rosto dans l'ancestral Livre des Morts, est très particulière. Son corps de lion est situé par rapport à l'équateur, à 30 degrés de latitude nord, et presque exactement sur le méridien qui se trouve au 30e degré de longitude entre le pôle nord et le pôle sud. Sur l'un des points diamagnétiques de la planète. De nos jours, nous savons que le réseau électromagnétique de la planète se structure tout autour de la Terre entre les 30e parallèles de latitude nord et sud et à des distances harmonieuses, égales et régulières. Toutes les créatures, aussi petites soient-elles, possède un réseau neuronal, une matrice qui canalise et diffuse harmonieusement l'énergie dont leur corps a besoin. La Terre est enveloppée par ce réseau géométriquement parfait de lignes équidistantes, composées de polyèdres, le long desquels circule l'énergie qui lui permet de vivre. On les appelle les lignes Li
et les lignes Harman. Elles forment une matrice de points névralgiques qui produisent naturellement des tourbillons énergétiques. Ces tourbillons ont été secrètement utilisés par les gouvernements et les individus qui en ont la connaissance pour générer des forces antigravitationnelles permettant la lévitation. Ces tourbillons électromagnétiques sont harmonieusement répartis sur la surface du globe et provoquent des désordres magnétiques et énergétiques avérés. Le triangle des Bermudes, du dragon et du démon, où des disparitions mystérieuses ont eu lieu, sont des points diamagnétiques reconnus. D'autres cultures que les Égyptiens ont judicieusement bâti des pyramides sur des points diamagnétiques. Des pays y ont stratégiquement placé des bases militaires. Avec une technologie adéquate, l'énergie de la planète peut être utilisée sur ces points afin de neutraliser l'effet de la gravité sur n'importe quel objet qui se trouve dans son champ d'action. Des expériences de changement dimensionnel, comme l'expérience de Philadelphie, dirigée par Nikola Tesla en 1943 aux États-Unis, ont aussi été réalisées sur ces points. À l'endroit de ces tourbillons, apparaissent également des portes dimensionnelles qui s'ouvrent et se ferment au crépuscule, les jours d'équinoxe. Pour les Égyptiens, le jour d'équinoxe correspondait à la porte de Maat, la déesse de l'équilibre et de justice. Ces jours-là avaient lieu sur le plateau Rosto des cérémonies particulières auxquelles participaient les disciples de l'école de mystère. Ils se servaient du tourbillon pour terminer la formation des prêtres qui avaient atteint, après des années, le cinquième ou sixième niveau de conscience. Ils étaient alors transportés par une force externe jusqu'aux plus hautes dimensions. Les prêtres de l'œil d'Horus ont utilisé leur savoir ancestral pour construire, à un point critique du réseau électromagnétique de la planète, une grande pyramide qui leur permettait d'exploiter une source inépuisable d'énergie à des fins spirituelles. Ils recevaient dans leur corps les énergies condensées de la planète, grâce auxquelles ils pouvaient atteindre de très hauts niveaux de vibration qui provoquaient chez eux des états particuliers de conscience. La grande pyramide était appelée l'Arche de Ra Harmakou et elle a été construite sur un tourbillon électromagnétique qu'ils pouvaient ainsi utiliser les jours d'équinoxe quand les domaines de la lumière et de l'obscurité étaient équilibrés par Maat. Ces jours-là naissaient les Nethers, les esprits exceptionnels, les Sem-Su-Or, disciples d'Horus, qui rayonnaient d'amour et guidaient leur peuple en élevant son niveau de conscience par leur exemple et par leur connaissance de la réalité de l'univers. Dans le Livre des Morts, dans la cinquième section appelée Rosto, apparaît une forme pyramidale gardée par deux sphinx en forme de lion qui font face au soleil à chaque équinoxe et qui protègent l'entrée au royaume de Sokar. Les couloirs ascendants ressemblent au passage de la Grande Pyramide. C'est là où a eu lieu la transformation finale de l'Osiris que chaque être humain porte à l'intérieur de lui-même. C'est là où se produit l'illumination qui le transforme en Horus, le surhomme immortel. La forme du lion est, elle aussi, fortement liée à ce processus d'évolution. Le lion est l'animal le plus évolué, et pour les Égyptiens, il représente le moment final d'une conscience d'animal qui évolue vers l'état de surhomme. Ces éléments, parmi de nombreuses preuves, font de l'emplacement du sphinx un lieu particulier et disqualifient l'idée selon laquelle le sphinx ne serait qu'un simple monument et la grande pyramide un tombeau. Deux raisons ont fait naître la conviction que le pharaon Khéphren,
qui a régné entre 2520 et 2494 avant Jésus-Christ, est celui qui a ordonné de le sculpter dans un même bloc de roche. La première raison est qu'on pense que son visage ressemble à celle d'une statue de diorite noire du pharaon Khéphren, qui a été retrouvée enterrée la tête à l'envers, près du sphinx, dans le temple de la vallée. Cette statue le représente avec un faucon sur la nuque. Nous avons retouché l'image du sphinx à l'aide d'outils numériques pour obtenir une approximation de son visage à l'état original. Nous avons constaté que ses traits sont totalement différents de ceux de Khéphren. Il est reconnu que le sphinx était appelé Abu Ol et que pendant très longtemps, il a été peint en rouge, la couleur de l'Égypte. Avec le temps, ont disparu le pectoral fait de pierres semi-précieuses, la barbichette, les couleurs de son élégant némès, ainsi que toutes les plaques de granit blanc poli de la pyramide de Khéphren. La seconde raison est qu'une stèle, sculptée dans la pierre, avec la syllabe « Kef » écrite sur la 13e ligne, a été retrouvée entre les bras du sphinx. Selon les égyptologues traditionnels, ceci permet d'attribuer sa construction à Khéphren. La stèle a été réalisée sous le règne du pharaon Thoutmôsis IV, entre 1401 et 1391 avant Jésus-Christ, pour commémorer la restauration du sphinx, grâce à laquelle on put retirer le sable qui le recouvrait jusqu'au cou. La stèle indique que le sphinx est la personnification d'un grand pouvoir magique qui a existé à cet endroit depuis le début des temps, depuis le Zeptepi. Son texte dit que, quand il était très jeune, Thoutmôsis IV a vu le sphinx en rêve et que celui-ci lui a promis qu'il deviendrait pharaon s'il le faisait désensabler. En vérité, elle ne donne aucune information susceptible de savoir qui a ordonné sa construction. Il n'y est fait aucune mention de Khéphren comme bâtisseur du sphinx. Il fut sûrement l'un des restaurateurs qui, comme Thoutmôsis IV, ont enlevé le sable qu'il avait recouvert au cours du temps. Une autre pierre sculptée, appelée la stèle de l'inventaire, retrouvée dans Gizeh par Auguste Mariette, indique que le pharaon Khéops, le prédécesseur de Khéphren, a ordonné la construction d'un temple à côté du sphinx, ce qui prouve que le sphinx existait déjà et que son successeur ne pourrait donc pas l'avoir construit. Pourtant, cette stèle n'a pas été reconnue par les égyptologues orthodoxes, qui considèrent qu'elle n'est pas d'époque, car le style dans lequel elle est écrite ne correspond pas à celui en usage sous le règne de Khéops. En réalité, le sphinx est resté enterré dans le sable durant des milliers d'années. Plusieurs souverains bienveillants ont ordonné de le nettoyer. Il était alors désensablé pendant quelques temps, mais on le négligeait de nouveau. La direction de ses yeux est une autre clé pour comprendre son mystère. Sa tête d'homme fait face à l'est. Il a ainsi contemplé le lever du soleil pendant des milliers d'années. Ses yeux montrent intentionnellement et avec précision un point de l'horizon, là où le soleil se lève les jours d'équinoxe, le vrai est, le point de passage dimensionnel. La variation de l'angle de la ligne imaginaire
qui, en passant par le soleil, réunit l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, est aujourd'hui utilisé pour mesurer la variation d'angle, ou précession des équinoxes, tout au long de la grande année cosmique. Son angle varie d'un degré en 72 ans, de 30 degrés en 2160 ans, et de 360 degrés en 25 920 ans. Elle marque l'année cosmique, le cycle qui détermine les réincarnations de l'homme et la survenue de cataclysmes périodiques. À partir de l'emplacement exact du Sphinx, des scientifiques américains ont reconstitué la sphère céleste en calculant avec un ordinateur la position de la Terre sur l'écliptique il y a 12 960 ans et le déplacement du système solaire. Ils ont confirmé qu'à cette époque, au point exact vers lequel regarde le Sphinx, le vrai est de l'horizon, à une latitude de 30 degrés, se levaient chaque nuit les étoiles de la constellation du Lion. Le Sphinx regardait, à l'horizon, les étoiles du signe zodiacal du Lion, la constellation que le système solaire traversait en ces temps-là. Ces travaux confirment donc le message que le Sphinx veut nous transmettre sur le temps, sur sa forme symbolique et sur son emplacement précis. Au même moment, à 90 degrés au sud, se trouvait la constellation d'Orion, à 9 degrés sur la ligne du méridien nord-sud. Et Sirius, l'étoile la plus importante pour les Égyptiens, car son apparition annonçait la crue du Nil, se trouvait exactement à 14 degrés à gauche du méridien. La date que le Sphinx nous indique, le début de la nouvelle civilisation, le Zeptepi, est confirmé par la relation entre sa forme symbolique et la constellation zodiacale du Lion, d'une part, et de la constellation polaire d'Hercule, d'autre part. La direction de ses yeux, indiquant l'équinoxe printanier au lever du soleil, et la constellation du Lion la nuit, fait de lui une horloge astronomique tout à fait exacte. Son emplacement a été choisi avec une grande précision pour en faire le porteur d'un message à l'intention de tous ceux qui, à l'avenir, chercheraient la vérité. Il nous dit que le cycle le plus important pour l'homme est l'année cosmique et nous montre un emplacement du réseau électromagnétique de la planète. Il y a un autre élément du Sphinx qui confirme le Zeptepi, le moment auquel le Sphinx a été construit. C'est une preuve d'origine géologique et climatique. En 1960, le mathématicien français René Schwaller, de Lubitsch, a déclaré que le corps de lion du Sphinx montrait des signes d'érosion provoqués par la pluie. Cette révélation fut accueillie avec stupéfaction, car il est connu que le Sphinx a été enterré dans le sable jusqu'à son cou 90% du temps pendant les 4500 dernières années. Depuis l'an 2500 avant Jésus-Christ, la date où on a coutume d'admettre qu'il fut construit par le pharaon Khéphren, seuls quelques souverains bienveillants se sont donné la peine de le restaurer en faisant enlever le sable qui le recouvrait. L'un des derniers désensablements fut ordonné par Napoléon, quand il était en Égypte. Ainsi, comment pourrait-il montrer des signes d'érosion provoqués par la pluie ? En outre,
Il a été prouvé que le climat en Égypte a été le même pendant ces 4500 ans. Aride, sec, avec des pluies rares. Les scientifiques nous disent que le changement climatique radical qui est survenu dans la région à la fin du Pléistocène l'a progressivement transformé en désert que nous voyons maintenant. Cela signifie que la pluie qui a érodé le corps du sphinx pourrait être tombée seulement entre les années 10 960 et 5000 avant Jésus-Christ, quand le plateau Gizeh s'est transformé en désert de sable et que le sphinx a été enterré jusqu'au cou, protégé du temps. Une expédition de l'Université de Boston a vérifié que les signes d'érosion ont été provoqués par la pluie et ont déterminé que ces profondes crevasses ont mis des milliers d'années à se former. Ceci confirme l'antériorité du sphinx et relance le débat sur la date de commencement de cette civilisation, point sur lequel les égyptologues orthodoxes ne sont pas venus à s'accorder. Il nous reste très peu de traces des monarques égyptiens, et celles qui restent ne sont pas toujours reconnues. Le papyrus de Turin et la galerie des cartouches, dans le temple d'Osiris, à Abydos, énumèrent les noms des pharaons dont l'existence est avérée. On attribue l'unification de l'Égypte vers l'an 3000 avant Jésus-Christ au légendaire roi Ménès, dont le nom apparaît sur la palette de Narmer. Selon l'histoire officielle, il aurait ainsi donné naissance à la première dynastie des pharaons. Mais ces inventaires, comme celui dressé par le prêtre Manéto en l'an 300 avant Jésus-Christ, dans son histoire de la civilisation égyptienne, remontent en réalité plus loin dans le temps, faisant référence à des souverains antérieurs qui ne sont pas aujourd'hui reconnus car ils sont considérés comme des mythes irréels. Ce sont les Shemsu Or, les disciples d'Horus, des ancêtres divins, des êtres éclairés qui ont gouverné l'Égypte pendant 13 900 ans. Puis vient le tour des Aku, ou hommes sages, d'autres monarques exceptionnels qui, d'après ces documents, ont dirigé l'Égypte pendant 11 000 ans, avant l'avènement des pharaons qui régnèrent durant 30 dynasties. Cela signifie qu'il y avait une civilisation en Égypte. Avant même le déluge universel, pendant le cycle atlantidéen, avant le Zeptépi et le commencement d'un nouveau cycle intégrant les connaissances antérieures. Ceci explique aussi une des incohérences de l'histoire officielle, qui fait débuter la civilisation égyptienne vers l'an 3000 avant Jésus-Christ. Il est inconcevable que l'art, la science, les techniques d'architecture et l'écriture hiéroglyphique aient pu être aussi développées dès cette époque. Certaines des réalisations des premières dynasties surpassent les développements ultérieurs. Il est dur de comprendre comment le site de Saqqara, avec ses briques travaillées, ses décorations en céramique très raffinées, ses détails architecturaux harmonieux, ses colonnes et ses pyramides capables de résister durant des milliers d'années, a pu surgir soudainement du néant. C'est comme si notre civilisation actuelle avait subitement construit une navette spatiale, sans avoir jamais connu les avions de toile, le DC-3 ou les vols Gemini qui conduirent l'homme sur la Lune.
Il est clair que la civilisation égyptienne a hérité du savoir accumulé durant le siècle précédent et qu'elle a été guidée dès son commencement par une caste sacerdotale d'êtres très évolués spirituellement, comme l'attestent les découvertes archéologiques retraçant la liste des souverains égyptiens. Ceci confirme également que le sphinx a été sculpté dans la pierre par les prêtres de l'école de mystère de l'œil d'Horus immédiatement après le déluge, durant la période pré-dynastique. Le sphinx est une sculpture gigantesque, construite en un seul bloc, pour résister à l'épreuve du temps. Sa forme symbolique a été minutieusement étudiée pour en faire un point de rencontre astronomique. Il se trouve précisément sur l'un des nœuds diamagnétiques de la planète, indiquant la présence de forces énergétiques planétaires là où la Grande Pyramide a été construite. La direction de son regard, vers un point précis de l'horizon, où le soleil se lève les jours d'équinoxe, montre l'importance de la porte de Maat, l'entrée du royaume de Sokar, au moment d'équilibre entre le jour et la nuit. Dans cet univers de contraste, c'est seulement grâce à cet équilibre entre la lumière et l'obscurité, entre deux extrêmes, que l'unité peut être réalisée. Ce niveau de compréhension ne peut être atteint qu'en évaluant les résultats de décisions prises au cours de nombreuses réincarnations, pour trouver la voie du respect et de la tolérance, de la paix et de l'harmonie. Tous les temples de la civilisation égyptienne ont porté ce message, le chemin du perfectionnement par la réincarnation, pour atteindre l'illumination, était le fondement de leur foi. Le sphinx montre également que la civilisation égyptienne remonte à très longtemps. Au commencement du monde nouveau, le Zeptepi, il y a 12 900 ans, quand les étoiles de la constellation de Lion brillaient en face de lui. Le sphinx rappelle l'existence de l'année cosmique, le cycle le plus important pour l'humanité. Il confirme que la civilisation atlantidéenne a vraiment existé. Il incarne la certitude qu'il existe une sagesse supérieure.